Ngata sa ke? Kembo baba tata ba mpumutu leno, ke? Kembo baba simbi keto mfumu mwana kongo, ke? Kembo baba kuluba baba mwela kongo, ke? Ngeta mangana metu, fumetu naka meti luata, mana tata mana, ye, yanti kila, bonzo ebu. Musamu wa tete, tunasisa chorale Moussala animation libre pendant 5 minutes 10. Vas-y, mon nom, 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 kadi nom, mon 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 Thank you.
Nini, Nini, Anna, Charge, Chico, Nina, Charge, 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 Nina, Char
Thank you.
Merci. Dieu t'a surpris. Oh,
Le corps a tellement travaillé que finalement, après deux années,
C'est pourquoi je vais me reposer pendant 2 mois. Et après cela, je vous inviterai à une conférence de presse où vous poserez toutes les questions. Mais la sagesse Congo enseigne qu'ainsi, Yamantela, Kaisa Nukangako. Ça veut dire qu'un pays où les citoyens sont constamment élevés ne se développera pas. Et le maître Jésus a dit que tout royaume divisé contre lui-même court à sa perte. C'est pourquoi je suis venu pour travailler avec la gauche et la droite pour faire la paix dans ce pays, pour orienter notre peuple vers la paix et finalement développer ce pays, car si nous ne développons pas le pays, je ne peux pas vous dire ce qui va arriver, parce que tout ce que j'ai dit se réalise. Mais pendant 2 années, je n'ai plus vu ma femme, je n'ai plus vu mes enfants, mes militants, mes amis de la gauche et de la droite. Laissez-moi me reposer et dans 2 mois, je reviendrai. Je serai en forme. Pour le moment, on parle de maladie. Je ne suis pas malade, mais je suis fatigué. Parce que les gens... la presse pour aller visiter là où je passerai mes jours au début. Après, il faudra reconstruire cette maison qui a été détruite par ces 5 armées. J'invite la presse de nous suivre pour visiter cette maison. Madame, 600 dila. C'est où la maison? Ok, 600 dila. Blaise! Papa dit, ça va, je t'ai vu malmener là. Avant la destruction, vous êtes plein des armoires de luxe, de trésors. Mais on a tout pillé, on a tout apporté. Maintenant, je veux vivre. Il n'y a même pas de chaise. C'est ce que je veux vivre. Jusqu'à ce qu'on m'aura payé les dommages et intérêts pour reconstruire cette maison. Est-ce que vous serez prêt à accepter un don de quelqu'un qui veut vous aider? Je vous remercierai dans 2 mois. Quand... Hein? Quelqu'un qui pourrait vous aider à reconstruire la maison, est-ce que vous serez prêt à accepter un don venant d'un tiers? Parce que je m'adresse à tous les Congolais. Exactement. Si quelqu'un peut m'aider, je vais simplement le remercier. C'est tout. Après ce salon, il y a la chambre. Il n'y a même pas un lit. On a simplement posé un matelas par terre, faute d'argent. C'est par là que je vais commencer à dormir, jusqu'à ce que, quand les moyens viendront, on achètera un lit et on va mettre là-bas.
Vous avez un appel particulier à l'endroit du chef de l'État, par exemple? Vous avez un appel particulier, par exemple, à l'endroit du chef de l'État? Lui oui, qui a prôné la décrétation. Je vais le voir. C'est prévu. Vous irez voir le chef de l'État? Oui, je vais le voir. Je vais naturellement le voir. Je suis une grande personnalité de ce pays. Le monde ne me connaît pas. Je vais le voir au courant de la semaine prochaine. Je lui adresserai un message particulier vis-à-vis. Donc, ça, c'est le salon. Dans ce salon, dans cette chambre à coucher, il n'y a même pas un lit. On a simplement acheté un matelas qu'on mettra par terre et je m'en vais dormir par terre jusqu'à ce que je sois en mesure d'acheter un lit et on va équiper cette chambre à coucher d'un lit. Là, vous avez la salle des toilettes. Là, vous avez la salle des toilettes. Vous avez la salle des toilettes ici. C'est totalement délabré. C'est totalement détruit. Mais enfin, les moyens, c'est un peu. Mais politiquement, aujourd'hui, je ne parlerai pas d'autre chose, oui. Ni à quiconque, ni à Lingala, ni à Swahili, ni à Nigeria. Attendez la conférence de presse et je m'adresserai à la nation. Je leur parlerai en Lingala ou en Kikongo, comme ils veulent, et tout sera fait. Mais aujourd'hui, ça suffit ce que j'ai fait. Le fait pour nous, c'est déjà bon. C'est déjà beaucoup tout ce que vous avez dit. Ok. Pendant votre époque, est-ce qu'on peut venir vous voir? Vous oui. Autorisez les visites? Oui. Vous autorisez les visites des journalistes de... Normalement, dans ce salon. S'il y avait des fauteuils, on devait pouvoir s'asseoir sur ces fauteuils et causer tranquillement. Je n'ai rien. Avant la destruction, j'avais 2000 chaises en plastique. Donc quand quelqu'un venait me voir, on pouvait se voir à l'extérieur et causer. Il n'y a plus rien ici. Parce qu'on a tout apporté, on a tout volé. Notre peuple croit que c'est en pillant, en volant le bien des justes et des innocents qui va faire son bonheur. Malheur. Ok. Nous sortons. Je vous souhaite un bon repos oui. Et un bon rétablissement. Vous en avez besoin. Oui. Deux années de clandestin, ça c'est pas facile. C'est pas facile. J'ai tout congé. J'étais claqué par la mère. Il fallait tous les jouets et j'ai tous les jouets par la deux années. Reconstituez-vous, après on parlera politique. Oui, oui. Oui de fond oui. En comble. Sérieusement. D'accord. Oui. À très bientôt. Très bien. J'avais peur quand je venais. En tout cas, merci beaucoup. Nous, on est bien. Nous, on est bien. Mais ça, c'est bien. Nous, on est bien. Nous, on est bien. Nous, on est bien. Ok.
Bon, je crois que pour aujourd'hui j'ai terminé. Là je vais monter. Pour aujourd'hui, on a terminé par là. Voilà. Maintenant la parole au président Olenga Nkoyi pour pouvoir adresser un mot à la base de l'Union Mayala. Bénisoué. Et le téléphone va s'éteindre. Bana ya ndi mwanasemi mbote.